Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 418 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce vendredi 23 avril 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1225 tests réalisés, 47 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 19 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 28 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis ainsi. La région de Dakar totalise 22 cas, dont 3 aux Almadi, 2 à Grand-Yoff, Mermoz, Rufisque, Point-E et Yoff, 2 à Grand-Yoff, Mermoz, Point-E, Rufisque et Yoff, 1 à la Cité Soprime, Dieppeul, Liberté 1, Liberté 6, Malika, Médina, Parcelles Assény, Plateau et Pikine. Les autres régions totalisent 6 cas, dont 1 à Kolda, Matam, Mbour, Ourossogui, Richard Toll et Tambacounda. 67 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le jeudi 22 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 022 cas ont été déclarés positifs, dont 38 786 guéris, 1097 décédés et donc 138 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore suivis dans nos services et à ceux qui sont retenus dans les domiciles pour suivi à domicile. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination, 395 635 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masques bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage correct, fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les personnes ciblées par la vaccination sont invités à se rendre au niveau des lieux de vaccination désignés, se faire vacciner et conserver leur carte de vaccination après avoir été vaccinés, tout en ayant en tête le rendez-vous prévu à cet effet pour prendre la seconde dose. Les patients également qui guérissent, ceux qui sont vaccinés contre la COVID-19 et l'ensemble de la population sont invités encore une fois à respecter les mesures barrières pour éviter cette maladie. Je vous remercie de votre attention.